une autre de toutes les Elite Trainer Box Guys. Ah! Ça faisait un bout que je la voulais pis que je me le permettais pas, mais là j'avais un petit lousse dans mon budget pis je me suis dit, Rolling Sky, j'avais pris une booster box, laissez-moi essayer d'enlever la pellicule pendant que je vous explique ça, j'avais pris une booster box, ah, voilà un bon bout de temps, pis j'avais rien pour l'entreposer pis j'avais pas la, t'sais, oui on peut avoir la liste sur internet de toutes les cartes, mais on est jamais assez sûr que par un produit officiel de Pokémon, pis je voulais la liste de cette série-là qui se contient dans cette boîte-là, plus le rangement pour comme officialiser ma série. C'est faut que je fasse ça. Wow, il était ici, lui, dans le temps. Ah, ouais. OK. Puis, comment que ça... Wow, il y avait un carton là-dedans aussi. OK, comment que ça se sépare, cette affaire? Est-ce que ça tient vraiment? Non, OK. OK, on va regarder le art qui se trouve à l'intérieur de cette série-là. On a... Mega Rayquaza, ouais, c'est ça. Mega Latios. Il me semble que le bleu, c'est Latios, mais je suis jamais sûr. Mega Gallade, puis Deoxys. Yeah. Oh, yeah. Ça, c'est des Pokémon. J'aime juste ça, enlever la super colle qu'il y a là, puis tirer jusqu'à temps que ça me fouette les doigts. Yeah. Ok. Oh. C'est des Pokémon puissants qui sont mis d'avance, qui sont mis en évidence dans cette série-là. Puis on va s'attarder là-dessus. Yes, les dés! Ah! Ok. On a ça là. Les dés ici. On a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il me semble aussi. C'est 7, 8. Avec le stash d'énergie comme d'habitude. Oh oh, j'ai failli vous montrer cette carte là. La super carte de la boîte que je me réserve. Comme d'habitude, faites-vous-en pas. Les codes des boosters sont à vous, guys. Ok, on a les sleeves avec Mega Rayquaza dessus. On peut avoir un zoom normal. Yeah. Vraiment nice. J'aime cette couleur là. Comme un. Là, je sens que j'en fais taper ses doigts parce que je suis à moitié daltonien, guys. Je déteste l'avouer. J'ai de la misère avec mes teintes, ok? Quand c'est pas une teinte flash, évidente, j'ai de la misère. Donc, moi j'allais dire, j'adore ce genre de vert foncé là. Corrigez-moi si je me trompe, si je suis un foutu daltonien. Pour moi, Rayquaza est vert, donc ça ferait du sens que ça soit d'un vert foncé. C'est vrai, je dois regarder ça. C'est... Je m'attends à me faire démolir d'un commentaire en dessous puis de me faire dire « Non, c'est pas vert, mes gars. Tu connais pas tes couleurs, tes voix pas, t'es daltonien. La boîte. On peut-tu? Yeah! Rolling Sky. Enfin, je suis vraiment content de l'avoir, cette boîte-là. Ça manquait à ma collection. À ma collection. Pardon. De Elite Trainer Box. On va y aller avec ça. Les Divider. Comme d'habitude, sont dans un matériel que quand je les frotte ensemble, ça me donne le même genre de frisson que des ongles sur un tableau noir. À chaque fois, je trouve ça atroce de les frotter ensemble. J'ai ça. Ok. Go. Si on met ça de côté, si on n'a pas besoin d'en revenir là-dessus, comme d'habitude, c'est les super jetons. Le stage d'énergie. On va checker un petit peu les deux. Parce que une de mes affaires préférées qui inclut dans les Elite Trainer Box sont les dés. Puis j'aime vraiment ça, les collectionner. Je suis quelqu'un qui adore. Là, je suis pas fou, là. C'est des dés verts, ok? Ça ferait juste du sens que la boîte, puis le thème en général de Rolling Sky soit vert. J'ai toujours peur de. Ok, Rolling Sky, c'est. Laissez-moi me souvenir. C'est-tu le Stop Ball? Il me semble que. Il me semble que c'est de ce bord-là, ok? Yeah! On retourne à zoom. Plus proche! Définitivement, ça marche pas. Ok. Yeah! Des beaux dés. On va ouvrir la boîte, puis on va mettre des trucs dedans, parce que j'ai peur de faire de... Et voilà. Ok. Yeah! Alright! On est déjà rendu à 5 minutes, puis on s'est même pas attardé ces boosters. Je veux juste regarder un petit peu la série. J'avais ouvert une booster box, guys.
Ah, mais il me semble que c'est loin pour moi. Qu'est-ce qui est mis en avant-plan? On a un peu de grass, quasiment pas de feu, quasiment pas d'eau. Un petit peu électrique, évidemment. On a du psychic, un peu de fighting. On a un peu de tout. On a vraiment un peu de tout. Mais les. Ouh, on. Ah! Je pense que c'est une des rares séries qui a vraiment beaucoup de dragons. J'haïs pas ça. Il y a beaucoup de dragons, mais les énergies dragons ne sont jamais venues dans les énergies communes qu'on utilise. Ça a toujours été un type dragon a toujours été un mélange de plein d'énergies ou juste utiliser une énergie. Ok, laisse-moi de mêler ça. Oh my god. Ok, deux Deoxys, deux Rayquaza, deux Gallade, puis deux Latios slash Latios. Rentrez-moi dedans comme que vous voulez dans la section commentaires en dessous. Je me rappelle, je suis jamais capable de me rappeler lequel est Latios, lequel est Latios. Ok, on va y aller avec. Honnêtement, Deoxys, c'est pas un de mes Legendary préférés ou un de mes Pokémon préférés. Fait que je vais le clencher tout de suite. On va y aller avec Deoxys. Je me souviens. Ah, waouh, ça voulait sortir ça. Je me souviens plus. Je pense que. On va essayer. Le code est pour vous. On va essayer de faire le card trick. Puis voir. Si c'était bien ça. 1, 2, 3, 1, 2. C'était ça dans le temps? Je sais pas à quel point que. Excellent. Il me semble que. Il me semble que c'était comme ça. Ok, on va y aller de même. On va voir. On y va avec Natu. Wingull. On est toujours dans les communs. C'est un commun? Non, c'est un commun. Fletchling. Bagon. Electrike. On vient de tomber dans l'Uncommon. Shelgon. On a un Revive. Un Pelipper. Et. Wouh! Reverse Holo. Oh non, il y en avait un autre! Reverse Holo, Latios, Spirit Link et. Ouh, Absol. Holo. Nice! C'était une carte blanche? C'était une carte blanche en effet. On va voir si. Ah, faudrait que je voie quand est-ce qu'ils ont instauré les cartes blanches puis les cartes vertes comme indicateur de si on allait avoir quelque chose de bon, quelque chose de pas bon. Donc pour l'instant, comme d'habitude, j'ai même pas mes sleeves, guys. Je suis vraiment nul. Laissez-moi aller chercher ça pendant que je vous déblatère quelque chose de absolument pas rapport. Ce qui me permet d'aller chercher mes sleeves dans ma bibliothèque, qui est vraiment pas loin en fait de mon installation à chaque fois que j'enregistre. Je fais toujours un truc de même, puis ça marche tout le temps. Regardez, je suis déjà revenu, puis vous en êtes même pas rendu compte. Fait que, on a Absol en holo pour l'instant. Yeah, ok. On continue. On va mettre ce qu'on pige. Non, ici. Tiens. Ouh, la Tio Spirit Link en reverse holo. Elle est vraiment belle la carte. On y va avec le deuxième. On va essayer d'embrayer un petit peu parce qu'il me semble que la cadence est pas là. Ok, on met ça de côté. Carte blanche encore. On va voir si ça se tient ou si ça se tient pas. Waouh, le focus est vraiment avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment pas fâché. 1, 2, 3. 1, 2. Alright. Je me demande aussi quand est-ce que les paquets avaient une certaine consistance dans le fait qu'on pouvait faire le card trick pour avoir les cartes en dernier, les rares en dernier. Donc, Spearow, Voltorb, Inkay. J'ai déjà fait un speech concernant que Inkay puis Meowth, les deux cartes, ils étaient reliés parce qu'on voit une photo où ce Meowth sauve avec la pastèque avec un Inkay en arrière. Puis, on a cette carte-là avec Inkay qui sauve avec la pastèque, pardon, avec un Meowth en arrière beurré d'encre. C'est vraiment nice quand ils font ce genre d'affaires-là avec les cartes. On a Cascoon. Wow! Quand je parlais de Meowth, Meowth, il pogne la pastèque, puis un Inkay en arrière. Fearow. Une Fazan. Electrode. En reverse holo, on a un Wurmple. Et on a Togekiss en rare, mais elle est pas holo. Donc, ça vaut pas de la chenoute, ok? Dans Ring Sky, c'était pas le cas. Ok, je vais prendre ça pour acquis. On va y aller à Gallade après. Parce que Gallade, honnêtement, la série d'évolution de Ralts est pas vraiment dans mes favoris personnellement. Donc, on va y passer tout de suite. Donc, code pour vous. Est-ce qu'on a un zoom normal? Ouais, ça va bien le zoom aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que les zooms chient quand que j'enregistre sur le bord de la fenêtre en me servant de la lumière ambiante de dehors. En ce moment,
Il est tard, donc j'utilise la lumière de la salle pour éclairer ça. Ce qui fait en sorte que probablement ma caméra a plus de facilité à faire des zooms. Donc, des focus plutôt. Binnacle, Gligar, Choupette, Togepi, Ninkada, Altaria, Executor, Trainer's Mail. En reverse holo, on a Inkey. Et yeah! On a un Beautifly holo. Fuck yeah. Alright. Laissez-moi regarder un peu quel genre de... Si les Secret Rares sont vraiment genre nice ou s'il y en a beaucoup, s'il n'y en a pas beaucoup. On a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas toutes des Secret Rares. On a... C'est des Rare Ultra. Qu'on appelle ça là-dedans. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y en a vraiment 11 de vraiment... rare. Le reste, c'est plutôt des... Rare Holo, puis des Rare. Rare Holo, comme chez Min ici. Rayquaza, etc. Donc, ça, c'est vraiment dans le set et non dans les Secret Rare. D'accord, fait qu'on n'a pas tant de Secret Rare que ça. Je vais appeler juste ça des Secret Rare au lieu des Rare Ultra ou whatever. Parce que c'est comme le thème. C'est comme le. Pas le thème, mais le. Comment dire. Le terme, plutôt. But, code à vous. Le terme pour nommer ce genre de carte-là. 1, 2, 3, 1, 2. On y va avec un Taillow. Execute. All Lucha. Pikachu. Natu. Togetic. Latios Spirit Link. Dustox. Ouh, reverse holo. On a un Shell Gun. Et. Oh, fuck you! Alright! Ça, c'était juste un. Holo Rare, si je me trompe pas, c'était pas dans les Secret Rare. J'ai encore accroché mon truc précaire. Non, guys! C'est pas un Shaman, mais... On peut faire un zoom. Yeah! Ça fait partie des Secret Rare. Alright! Belle box! Je suis mardeux, guys. Je me souviens pas si dans ma Booster Box, j'avais... Honnêtement, je pense que à la fin du vidéo, je vais aller fouiller. Hey là, je la vois d'ici. Je vais aller fouiller dans qu'est-ce qui était vraiment hot, qu'est-ce que j'avais pogné. Latios Rayquaza, Mega Rayquaza pour la fin, parce que c'est juste là. C'est juste normal. C'est de mise. C'est une boîte. Une boîte, mais aussi une série sur Rayquaza. On va le garder pour la fin. Votre code à vous. Enjoy. 2, 3. Ouais, c'est ça, 1, 2, 3, 1, 2. Le paquet est à l'envers, donc on va faire ça comme ça. Yeah! Dunsparce, Voltorb, Pikachu, Wurmple, Bagon, Winona, Rayquaza Spirit Link, Electrode, en reverse holo, on a Togetic et... Ouh! Altaria! En rare! Vous voyez, ce genre de art-là est aussi satisfaisant un holo tant qu'à moi. Est-ce que je peux avoir un zoom? T'es capable. Yeah. C'est aussi satisfaisant. Puis, on va juste vérifier. Je sais que c'est pas dans les super méga rare, mais laissez-moi regarder là. Non, ça figure en effet pas là. Ça, c'est en les colorless. Donc, c'est comme un peu... C'est un simili rare. C'est un rare, mais pas un rare holo. Donc, seulement rare... qui est pour... Hey, reste là, toi. Attends. Ce qui est pour ce... Je suis plus capable de parler, guys. Oh my god! OK. Ce pourquoi... Bon, merci. Merci, Bush, de me permettre de parler. Ce pourquoi je la sleeve pas et je la laisse là. Comparé au holo, puis au holo rare, puis les secret rare, etc. Que eux autres, c'est clair que je vais sleever parce que sont comme plus rares. On s'entend-tu, guys? On s'entend-tu là-dessus? Alright, le code à vous! Petit zoom, s'il vous plaît, merci! Merci, Camera-chan! Alright, 1, 2, 3, 1, 2! Donc, on a... Wow, c'est rendu là, oui. Je l'ai déplacé. Choupette! Jettini! Cascoon! Orlucha! Wingull! Ouh, Healing Scarf, nice! Gliscor!
Switch. Yeah, alright, la même carte, mais en Reverse Holo cette fois-là. Holo, Reverse Holo, c'est une rare. Wow. Woo, nice. Ok, celle-là, je la sleeve. Honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre sur le genre de format de carte rare, de carte whatever, dans Roaring Sky. Mais... ouh, puis on a... yeah, on a un Banette. Oh, je l'aime, Banette. Yeah, alright. Toi, on te met là. Toi, on te sleeve. Wow. Hey, je les aime, ces cartes-là. Nice. On va la mettre par-dessus. Parce que c'est comme un petit boost, un petit... c'est comme un level-up de cette carte-là. On s'entend, guys. My God, c'est nice. Ok, code à vous. Avec un focus qui se fait automatique. Wow. Camera-chan, t'es malade. 1, 2, 3. 1, 2. On y va. Notre avant-dernier booster. Avec Benacle. Gligar, Meowth, Spearow, Natu, Dragonair, Steven, Silcoon, nice. Ah, wow, ok, guys. On a le reverse holo de Banette ici. On peut avoir un focus. Yeah. Fuck yeah. Et on a Unfazen. Ça veut dire que dans le prochain paquet, guys, on va avoir un Unfazen... en reverse holo. Si on se fie à la logique des choses, là. Wow, je les aime. C'est des reverse holo, mais je m'en fous. Je les sleeve pareil parce qu'ils sont belles. My God. Ça me donne une certaine satisfaction. Puis on ouvre le dernier paquet. Alright. Votre dernier code à vous. Enjoy. Enjoy le trading card game de Pokémon Online, guys. 2, 3, 1, 2. Donc on a Taillow. On va se placer comme il faut, là. Ouais, c'est zoomé. Electrike, Bagon, Ninkada, Pidove, Pelipper, Wally, Dustox. Ouh, Reverse Holo, on a Absol. Et comme dernière carte, on va avoir Unfazen. Reverse Holo? Non, même pas. On a Shedinja. Yeah, nice. Je l'aime le art. On peut-tu le voir un petit peu plus proche? Merci, Camera-chan. Shedinja, wow. C'était une belle boîte, c'était une belle Elite Trainer Box, guys. Pendant que je vous dis ça, je vais me diriger vers ma bibliothèque, aller chercher la boîte, la Booster Box de Roaring Sky qu'on avait déjà eu. Puis, je vais regarder les rares qu'on avait pognés. Je les avais tous livrés, donc, je suis juste à côté, guys. Je suis pas trop loin. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on avait déjà? Ok, qu'est-ce qu'on avait déjà? On avait... on avait déjà un Togekiss, un Reshiram, Jirachi, Zekrom. Ça, je pense qu'on peut te mettre dans pile. Puis avec vous autres, on va faire un autre pile. J'avais déjà un Beautifly en holo. Beautifly, holo. Wow, j'avais Winona. Secret Rare. On avait Energy Switch. Wow! Wow, on avait les cartes. Gigalade, j'avais déjà le Mega Rayquaza EX. Mega Rayquaza EX en Holo Rare. Thunderous EX. Puis Rayquaza EX. Guys, on avait déjà des cartes popées pour partir de cette collection-là. Ah! C'est fort, c'est nice. Guys, si vous avez apprécié, laissez un like, un comment, abonnez-vous, toutes ces bonnes choses-là. Le tweet grandement apprécié. Et je suis vraiment content de faire un peu plus d'unboxing ces temps-ci. Je suis vraiment content de faire ça avec vous autres, guys. Puis, laissez-moi savoir si vous appréciez. Laissez un like en dessous. Laissez un comment, un like. Toutes ces affaires-là, je me répète, mais like, comment. Yeah! Puis, on se revoit dans le prochain épisode. Bye, guys!